96. Pour l'attention, 12 et 7,5. Les signes vitaux sont stables. Injection de benzédrine. Charlotte. Vous la connaissez. C'est ma sœur. Charlotte, est-ce que tu m'entends? Les yeux réagissent à la lumière. Charlotte. Tu m'entends? Charlotte, est-ce que tu m'entends, Charlotte? Benzédrine à 5. Mauvaise circulation. Les signes vitaux faiblissent. Sa Glasgow est à 7. Injection d'atropine. Continuez, oui. Il est en fibrillation. On a dû. Il faut faire très vite. Prête. 1, 2, 3. Plus vite, on va le perdre. C'est bon. C'est encore faible. On envoie la sauce. Allez, envoyez. Il réagit pas. N'appuyez pas. Vérifiez la tension. Charlie, tu dis à Phil de monter tout de suite. Prélèvement sanguin sur les deux patients. Je veux un NFS, une chimio-iono et ensuite faites un test d'alcoolémie sur les deux. D'accord. On tient le rythme. Quelle est l'heure de la mort, docteur? 1h23. Le docteur Hoskins est demandé en chirurgie. Le docteur Hoskins... Il faut que j'y aille, ils m'attendent. Il ne faut surtout pas qu'elle bouge. Je veux un check-up complet, radio de la tête, du thorax et du bassin, et un bilan pré-op. Pensez à la prise de sang dans le bras droit. Mm-hmm. On a une autre urgence qui arrive. Vous sortez celui-là d'ici? Je descends en radiologie. Envoyez-la. Ça va aller, chérie. Tu vas t'en sortir. Troy. Est-ce que Charlotte a des chances de... Elle a l'air malin. Oui, j'en saurai plus dans quelques heures, mais je pense que c'est moins grave que ça. Tu m'accompagnes bien. Ah, oh, je suis crevé. Comment va la petite fille? Ah, c'est un cas très difficile. Nous avons fait l'impossible pour l'instant, mais on ne peut plus qu'attendre maintenant. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Il n'y a vraiment rien que tu puisses faire ici. Non, mais j'avais prévu de rester de toute façon. Johan, il vaut mieux que tu rentres. Les gosses ont besoin de toi. Crois-moi. Et je t'appelle s'il y a le moindre changement. D'accord. Merci. Je t'appelle, ok? Ouais. Vous êtes à l'hôpital. Il y a eu un accident. Un accident? Mais ça va aller. Mais c'est vous qui a choisi. Merci. Non, merci. Oh, c'est un souvenir merveilleux, vraiment. Ça va. John. Non, je serai là pour le discours d'ouverture. Oh, je sais, les coriaces. Roger Ganoëlle, ouais. Oui, ça va être une grosse affaire, je sais. D'accord. Oui, j'y jetterai un coup d'œil. Ouais, tout à l'heure, au revoir. Quel croque-mort, ces journalistes. Grave lésion au cerveau.
Les médecins eux-mêmes ne savent rien. Peut-être qu'ils ont découvert quelque chose qu'on ignore. Non, il n'y a pas d'évolution. J'ai parlé à Troy il y a 20 minutes. Il veut qu'elle passe au scanner à 10 h ce matin. Je veux y aller. Je peux y aller aussi? Je ne crois pas que votre mère apprécierait que vous manquiez l'école. C'est important. Un point, c'est tout. Rien n'est aussi important que maman ou pas. Je le sais, chérie. Mais ce n'est qu'un examen et je serai avec elle pour l'affronter. Mais si ça s'aggravait... Mais attendons de voir comment ça se passe. Papa. Papa. Quand tu verras maman, tu veux bien lui dire que j'ai tout rangé sous mon lit? Ça fait longtemps qu'elle me dit de le faire. D'accord. Merci. Tu as parlé à grand-mère? Elle voulait venir par le premier avion, mais je lui ai dit d'attendre qu'il y ait de nouveau. Papa, il y a un truc que je comprends pas. Toi et maman, vous êtes allés à la soirée des Timmons ensemble. Oui. Alors, pourquoi elle était seule? Elle est partie plus tôt. Mais pourquoi? C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputé? Non, il devait être 10 h et je l'ai cherchée dans la foule. Elle n'était pas là. Et j'ai juste pensé qu'elle était partie. Parce qu'elle était déjà fatiguée. Tu veux aussi manger quelque chose, jeune fille? Une tranche de pain léger, Seigneur. Il était plus de 10 h 30 quand l'accident a eu lieu, hein, pas. Pas. Si elle a quitté la soirée à 10 h, dis-moi où elle était pendant cette demi-heure. Les Timmons habitent à quoi? 3 pâtés de maison de chez nous? Pourquoi elle serait allée se perdre dans l'Eastside pour revenir ici? C'est à ta mère qu'il faut le demander. Tu viens me chercher à l'école s'il y a quelque chose de nouveau. Tu promets? Bien sûr. Tu as la tête dure et pour une fois, ça a payé. Tu as une petite commotion. Tu seras sur pied d'ici 2 semaines. Est-ce qu'il y a eu d'autres victimes? Oui, le chauffeur de l'autre voiture et son fils sont morts. Oh. Que s'est-il passé? Ce type était bourré. Il y a d'autres blessés? Oui, sa petite fille est gravement atteinte. Je n'arrive pas à me souvenir. Je n'ai aucun souvenir de ce qui est arrivé. Pourquoi? En fait, c'est simplement une amnésie temporaire. C'est comme ça que la nature traite les traumatismes. Ne t'inquiète pas, tu te souviendras de tout très rapidement. Troy dit que tu seras rentré chez nous dès mardi. Quel jour sommes-nous? On se détend, d'accord? Ta fracture est assez bénigne. On t'enlève le plâtre dans 15 jours, mais les choses sont différentes pour la commotion. Le repos total est le meilleur moyen d'éviter les complications. Maintenant, tu fais ce qu'on te dit et tu te reposes. Il faut que j'y aille. Salut, Troy. Troy. Ne t'inquiète pas, Charlotte. Je reviens tout de suite. Tu étais sérieux quand tu parlais de cette amnésie temporaire? Oui, c'est mon intuition, mais il faut attendre. Une intuition? Troy, s'il y a là un problème, je veux qu'il soit réglé maintenant. Détends-toi, laisse-lui le temps de se remettre. Et si ça ne s'arrangeait pas? Dans ce cas, je demanderai à Leslie de lui parler. Le docteur Chiret? Mais c'est une psychiatre. Tu veux bien arrêter de t'inquiéter? Pour l'instant, il n'y a aucune raison de croire que Charlotte ne va pas se remettre. Souviens-toi juste que c'est de ma femme dont on parle. Oui, je m'en souviendrai. Il s'agit de ma sœur, Duane. Je suis aussi concerné. D'accord. À plus tard. Excusez-moi. Je suis Charlotte Ferber.
Ah oui. Je ne saurais vous dire à quel point je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour l'accident. Moi aussi, j'ai enterré mon petit garçon ce matin. J'ai pensé venir vous voir pour m'excuser pour mon époux. Quel type. C'était un accident. Il n'avait pas à se remettre à boire. Regardez-la. Je vais bientôt sortir. Je voulais savoir si vous aviez besoin de quelque chose ou si vous vouliez que quelqu'un vienne voir votre fille et reste avec elle ou bien si vous aviez seulement envie de parler. Quoi que ce soit. Vous êtes si gentil. Wilma! Wilma! Oh, quelle joie de vous revoir enfin. Je vais chercher des affaires. D'accord. Vous allez vous reposer et je vais vous amener une bonne tasse de thé. J'en serai ravie, Wilma, merci. Merci. Voilà toutes les affaires personnelles que j'ai ramenées de l'hôpital. J'ai dit aux infirmières de donner les fleurs et les plantes aux autres patients, comme tu le voulais. Merci. C'est si bon d'être de retour. J'ai l'impression d'être partie des années. Dis, ça fait combien de temps? Trop longtemps. Maintenant, tu vas me prendre ces médicaments. Tiens. Et bien te reposer. C'est important. Excuse-moi, je... C'est rien. Je dois y aller. J'ai rendez-vous avec un client. Je ne serai pas trop long. Doane. Tu veux bien faire vite, chérie. Les enfants ne seront pas là avant des heures. Oh, Mitzi finit tôt aujourd'hui. Et puis, Wilma est à la cuisine. Avec un bras dans le plâtre? C'est ce que je lui ai dit, mais rien ne peut l'arrêter quand elle prépare un de ces gâteaux à la guimauve dont vous êtes fous, ton frère et toi. Si vous voulez mon avis, il n'y a rien de pire pour les dents que ce genre de gâterie. Toi, tu restes assise, je m'occupe de cette pâte. Ah, je vous jure, j'ai dû affronter Wilma toute la journée. Voilà que maintenant, je reçois des ordres d'une adolescente. Il faut bien que quelqu'un vous surveille, non? Vous avez failli perdre la vie et vous agissez comme si rien s'était passé. C'est qu'il faut du temps pour se remettre d'un choc comme celui-là. Oh, Mitzi, va mettre un tablier. Je veux pas te voir salir cet ensemble tout neuf. À quelle heure t'es rentrée, maman? Il devait être 11h, c'est ça, Wilma? Exactement. J'ai loupé un cours pour être rentrée avant toi, et puis j'ai vu la voiture de papa chez les Timmons et j'ai su qu'il était trop tard. Les Timmons? Marsha Timmons? Oui, le bus passe devant chez eux. Il a dû s'arrêter et dire à Marsha que tu étais rentrée. Il devait être très important, ce client. Tu es rentrée assez tard.
C'était plus long que prévu, oui. On a beaucoup parlé. Quelqu'un que je connais? Non, non, juste un client. Quelqu'un a demandé de mes nouvelles aujourd'hui? Oui, ma secrétaire. Elle t'envoie le bonjour. Il y a quelqu'un d'autre? Non, j'ai passé mon temps avec ce client. Je n'ai eu l'occasion de voir personne d'autre. Est-ce que Lloyd est déjà revenu de voyage d'affaires? Je n'en sais rien. Pourquoi? Eh bien, il devait s'en aller le lendemain de cette petite soirée. Alors je me demandais s'il était au courant pour l'accident. Prends-moi dans tes bras. Non, je t'en prie. Tu sais ce que je veux dire? Je suis désolé. Attends, fais-le doucement. C'est pas dangereux. Ça fait vraiment longtemps. Tu viens de sortir de l'hôpital. C'était 2 semaines avant ça. C'est peut-être l'accident, le stress, mais je suis crevée. J'ai lu que c'était les femmes qui disent ça. Peut-être que tu lis trop. Tu sais, je crois qu'on a besoin de vacances. Après qu'on t'ait enlevé ton plâtre, peut-être qu'on montera au chalet pour 2 ou 3 jours. Inutile de chuchoter, Charlotte. Elle ne vous entend pas. Il n'y a aucune amélioration. Moi, je crois qu'elle entend. Tenez, en provenance directe de la cuisine des Ford, j'ai pensé que vous aviez faim. Oh, merci. Vous n'auriez pas dû vous donner tout ce mal. Oh, ce n'est qu'une soupe chaude et une salade de fruits. Vous savez ce que je veux dire? Ça fait une semaine que vous venez ici tous les jours, Charlotte. Et alors? Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous. On m'enlève mon plâtre. Toutes mes félicitations. Je voulais... Je ne saurais vous dire à quel point j'apprécie la façon dont vous prenez tout ça. Ne soyez pas idiote. J'ai parlé avec mon frère, le docteur Hoskins, et il m'a dit que Nancy va beaucoup mieux. Elle a bougé les yeux, non? Oui, c'est merveilleux. Hier soir, quand je l'ai embrassée, je crois que j'ai senti ses cils bouger contre ma joue, mais quand je l'ai regardée, ils étaient toujours fermés. Elle va vite s'en sortir. Elle est si mignonne. Je sais qu'elle va s'en sortir. Merci, j'ai besoin d'entendre ça. Ça m'aide à continuer. Avaler cette soupe pendant qu'elle est chaude. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas occupé de moi comme ça. Vous savez... Je continue à me demander si c'est ma faute. C'est vrai. Si Howard avait rechuté, j'aurais dû m'en apercevoir, non? Il allait au... aux alcooliques anonymes, 3 ou 4 fois par semaine. Du moins, c'est ce qu'il me disait. Et moi, je l'ai cru. Malgré tous les problèmes que l'alcool nous a causés,
On lui a rendu son permis il y a à peine un mois. J'espère qu'il est en enfer pour ce qu'il a fait à mes enfants. Jen. Jen. Vous ne pensez pas ce que vous dites? Ah, si, je vous jure que je le pense. Je ne peux pas m'en empêcher. Oui, je le pense. Oui, je peux très bien comprendre. Contente de vous voir. Oh, Jessica, vous avez l'air en forme. Ça va, oui. Excusez-moi. Bonsoir, chérie. Je suis désolée qu'on soit si en retard. On peut compter sur Lloyd pour avoir des clients de dernière minute. Écoute, avant que je n'oublie pour avoir trop bu, on pourrait déjeuner ensemble? Bien sûr. Disons mercredi. Oh, je ne suis pas libre mercredi. Je fais quelque chose et mardi, ça t'irait? Ce serait parfait. Oh, c'est génial. Hé, hey, comment allez-vous? Lloyd? Oh, attention à ce bras. À toutes mes excuses, chérie. Mais ce n'est pas tous les jours qu'un bonhomme vient pour m'acheter une bague sertie d'un diamant de 3 carats. Vous n'êtes pas en retard. Tout le monde en est à son premier verre. Tu m'accompagnes au bar? On ne va pas tarder. Laisse-moi au moins finir mon verre. D'accord, finis-le. Je dois dire que je suis vraiment surpris de te voir aussi en forme. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Bien, disons que j'ai eu de la chance. Je suis désolé de ne pas avoir pu venir te voir à l'hôpital. Je viens juste de rentrer de mon congrès annuel des bijoutiers. Je vois que tu t'es remise à l'eau minérale. Bonne idée. Excuse-moi. Je vais dire bonjour à Angela et Dick. Bien sûr. Charlotte, j'aurais aimé que vous soyez là. Elle n'a ouvert les yeux que pendant quelques secondes, mais elle a tourné son regard vers moi. Je suis si heureuse pour vous. Ah, c'est une battante, cette petite. Oui. Elle n'en pas douté. Ah, elle a un peu de température. Mais ça n'a vraiment rien d'alarmant. Non, croyez-moi, elle va s'en sortir. Venez, allons dans le couloir. D'accord. Madame Markley, cette personne attend depuis un moment pour vous voir. Madame Markley? Oui. Je suis Joanna Otterman, enquêteur pour la compagnie d'assurance Brackett et Fils. C'est la compagnie qui assure votre voiture. Je suis désolé de vous déranger en un tel moment, mais j'essaie de vous joindre depuis quelques jours déjà. Un de vos voisins m'a dit que je vous trouverai ici. J'ai quelques questions concernant l'accident. Maintenant? Oui, et c'est très important. D'accord, mais veuillez faire vite, monsieur. Est-ce que vous avez été contacté par la compagnie d'assurance de Madame Ferber? Non. Par un avocat, peut-être? Non, non, personne. Écoutez, si vous avez peur qu'il vous poursuive, n'ayez aucune crainte. Je sais que... Je crois que c'est difficile à croire, étant donné les circonstances, mais c'est vrai. Elle me l'a dit. Je n'ai aucune inquiétude à avoir pour ce qui est des poursuites. À votre place, je m'inquiéterais. Écoutez, je ne peux vraiment pas vous parler plus longtemps. Je dois retourner auprès de ma fille. Excusez-moi. Vous avez ma carte? Pensez à appeler quand ils vous contacteront. Je ne veux pas de résumé. Je veux la déposition. Riker se contredit au moins une douzaine de fois, Edna. Et je veux le coincer avec ça. Désolé pour le déjeuner. Ah, ce n'est rien. Finalement, c'est mieux puisque j'aurais loupé l'appel de Jean. Nancy s'est réveillée seulement quelques secondes, mais Troy a dit que... Excusez-moi une seconde. Edna, demandez à Dave de me faire une copie du dossier Reborn. Tout de suite. Oui, oui, j'en aurais besoin. Désolé, on en était où? Bien, en fait, je te disais que j'ai discuté avec elle aujourd'hui et qu'elle me dit qu'elle allait vendre sa maison pour pouvoir payer les frais médicaux. Et je me demandais si notre assurance ne pouvait pas en payer au moins une partie. Tu as une très bonne assurance et j'ai pensé que... Oh, tu sais comment fonctionnent les assurances. Ce n'était pas ta faute.
Comment savons-nous que ce n'était pas ma faute? Cet irresponsable a eu 3 retraites permis ces 5 dernières années. Et en plus, il était ivre-mort cette nuit-là. Voilà comment on le sait. Bien. Je suis allée aujourd'hui au commissariat de police et... Tu as fait quoi? En fait, c'est moi qui lui suis rentrée dedans. D'après la position des voitures après l'accident, ça ne fait aucun doute. Mais ça n'a aucune importance, car d'après le rapport de police, il s'agit de conduite en état d'ivresse, purement et simplement. Il n'y a pas à discuter. Désolée. 2 personnes sont mortes et il y a une petite fille qui se bat pour survivre. Oh, Seigneur, si seulement je... Si je pouvais me souvenir de ce qui est arrivé, j'ai pourtant des tas de flashs. Écoute, il est tout à fait normal qu'on se sente responsable dans un cas comme celui-là. Ce n'était pas ta faute. J'ai tellement de peine pour cette pauvre Jean. Elle n'a vraiment pas mérité ça. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'aider. Je pense qu'on l'aide beaucoup. Étant donné les circonstances, on pourrait l'attaquer. Bien sûr. C'est juste ce qu'il lui faudrait. Je vais m'occuper de tout ça. Oh, je croyais que tu devais t'arrêter. Je suis en train. C'est seulement ma 2e cigarette aujourd'hui. Eh oui, bien sûr. Alors, quoi de nouveau? Eh bien, j'ai découvert que certaines personnes croyaient toujours aux contes de fées. Explique. Markley est convaincu que les Ferber n'attaqueront pas. Bien sûr. Attends, il y a autre chose. Tu sais, cette madame Ferber, elle est allée au commissariat et a posé des tas de questions. Elle a regardé les photos de l'accident. Et ensuite, elle a voulu savoir où étaient les voitures. Je me demande pourquoi. C'est une bonne question. Une chose est sûre, si ce Duane Ferber ne nous attaque pas dans les jours qui viennent, c'est qu'il y a anguille sous roche. Oui, c'est aussi ce que je pense. Tu sais, Troy, je m'inquiète pour Charlotte. Comment ça, tu t'inquiètes pour Charlotte? Je croyais qu'elle allait bien. Elle est totalement obsédée par son accident. Tu lui as dit que cette perte de mémoire n'était que temporaire. Oui. Tu sais, elle devient folle à essayer de se souvenir. L'heure qu'il est, elle devrait se souvenir de ce qui s'est passé. À moins qu'elle soit dans le déni et ne veuille pas se souvenir. Duane, elle a vécu des heures difficiles, d'accord? Elle s'en est plutôt bien sortie. Mais 2 personnes sont mortes. Et la connaissant comme je la connais, elle a du mal à l'encaisser. Enfin, c'est dur pour tout le monde. Moi aussi, j'ai la pression au bureau. On a une affaire très importante à traiter. Et puis maintenant, ça... Ben, c'est vrai. Charlotte n'est plus du tout la même. Peut-être qu'il est temps de voir le docteur Sherrod, non? Elle refusera. Tu peux me croire, oh, je la connais. Qu'est-ce que tu en sais? Tu lui en as parlé? Duane, le docteur Sherrod est compétente. Laisse-moi parler à Charlotte. Ah, madame Ferber, heureuse de vous rencontrer. Merci. Docteur Sherrod, je vais être honnête. Je suis venue parce que mon frère a insisté. Oui, je comprends. Je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je vous appeler Charlotte? Oui, je vous en prie. Bien. Allons-y. Madame Ferber. Elle n'est pas là. Mais j'avais rendez-vous avec elle. Pourriez-vous lui dire de m'appeler dès que possible? C'est très important. Excusez-moi. Il veut voir Charlotte. Monsieur... Otterman. Ouais. De quoi voulez-vous parler avec ma femme? Eh bien, de l'accident, monsieur Ferber. Les factures d'hôpital ont été envoyées à votre bureau. Mon assureur vous transmet toutes les informations qu'il vous faut sur la voiture de ma femme.
Que désirez-vous de plus? Je souhaiterais avoir la version de votre femme sur ce qui est arrivé. Vous avez une copie du rapport de police? Oui. Mais j'ai quelques questions à lui poser qui ne sont pas dans le rapport. Monsieur Terman, ma femme a souffert d'une grave commotion. Elle ne se souvient de rien concernant l'accident. J'avais pourtant l'impression que ses blessures étaient finalement assez bénignes. Bénignes parce qu'un bras cassé, des bleus, des coupures, une perte de mémoire ne sont que des choses. Si vous avez d'autres questions, contactez ma compagnie d'assurance. Et vous saurez ce que vous voulez savoir. Je préférerais parler à votre femme. Vous m'avez entendu? Charlotte, il faut que je te parle. J'ai un très gros problème. Je vais être honnête avec toi. Charlotte, je vais quitter Lloyd. Tu quoi? Oh, je m'attendais à cette réaction. Qu'est-ce que Lloyd pense de cette décision? J'ai préféré t'en parler d'abord. Pourquoi moi, Marsha? Parce que ça te concerne, ça nous concerne tous. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Tu vois, pour la première fois de ma vie, je suis amoureuse et je suis enfin heureuse. On ne voulait pas que ça se passe comme ça, mais c'est arrivé. On voulait t'en parler et puis il y a eu l'accident et on a pensé que tu ne pourrais pas. Quelle bonne surprise! Joanne et moi allions déjeuner, nous aussi. On peut se joindre à vous? C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Je suis désolée, mais je dois partir. Je reviens tout de suite. Charlotte! Charlotte! Qu'y a-t-il? Tu as vu le docteur Shired aujourd'hui? Je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Hier encore, tout allait bien. Elle se remettait tout doucement. Je sais. C'est arrivé soudainement. Elle va s'en sortir. On est en train de faire notre possible. Charlotte, je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de vous affoler. Je voulais juste trouver quelqu'un pour s'occuper de cette pauvre femme. Tu as bien fait, Troy. Elle a besoin de moi. Oh, mon Dieu. S'il arrive quelque chose à Nancy, elle sera seule au monde. Elle n'a aucun proche ici, aucune famille. Ses parents habitent à Boulder, dans le Colorado, je crois. Et elle n'a personne dans la région? Elle n'a jamais parlé de qui que ce soit. Dans quelle chambre est-elle? Juste en face, la 106. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'impliquer un peu plus Charlotte dans les problèmes de cette femme. Elle vient déjà ici tous les jours. Joanne, elle est plus qu'impliquée, d'accord? Et je ne crois pas qu'il y ait la moindre chance de l'éloigner. Je vais essayer de trouver le père de Jean et de le faire venir. C'est vrai, c'est son problème, non? Je t'en prie, chérie, tu ne peux rien faire pour elle maintenant. Le docteur a dit qu'elle ne se réveillerait pas avant au moins 2 heures. C'est presque le matin, les enfants vont se demander où on est. Tu n'as qu'à rentrer. Je veux être là, à son réveil. Dernière minute. Aujourd'hui, on va rencontrer un autre lycée en compète. On a eu 4 sujets à étudier et on ne sait pas sur lequel on va tomber.
Dire que maman n'a pas pu récupérer mon pull bleu et ma jupe blanche, je vais être la seule élève à ne pas être en uniforme aujourd'hui. Enfin, où est-ce qu'elle est passée? Elle est à l'hôpital pour changer. Oh, elle a pris racine ou quoi? Tu ne vas pas à l'école comme ça, hein? Non, non, je vais me coiffer. Je parlais de ton t-shirt, on dirait que tu as dormi avec. C'est le seul que j'ai trouvé, pas. Wilma doit repasser aujourd'hui. Elle est en retard, elle a dû rater son bus. Oh, je vais être en retard. Oui, allô? Une seconde. Brad, tiens, papa. Mais tu vas être en retard, dépêche-toi. Elle est dans la cantine. Tiens, prends ça. À plus tard, fiston. Oui, mais... tu ne devrais pas appeler à cette heure, Marsha. Oui, mais si c'était Charlotte qui avait répondu, voyons. Je sais que vous êtes très amis, mais ce n'est pas une raison pour appeler si tôt. Oui, oui, on se voit toujours à 16h. Je vous en prie, essayez de manger quelque chose. J'ai envie de rien. On m'a donné tellement de pilules que je suis dans le cirage. Il faut vous reposer. Il faut que je voie ma fille. On s'occupe très bien d'elle. Je suis allée la voir plusieurs fois et elle va bien. Alors pourquoi je ne peux pas aller la voir? Vous pourrez quand même quand vous irez mieux. Je vais très bien. Duhan a eu votre père. Il a dit qu'il serait... Quoi, mon père? Vous avez appelé mon père? Pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Il avait l'air d'être heureux d'avoir... Oh, l'amour du ciel, Charlotte! Ma mère est très gravement malade. Il ne peut la laisser. Pardonnez-moi. Elle s'enfuit dès qu'on la lâche une seconde. Je suis désolée, je voulais Arrêtez. Juste vous... Je suis désolée. Tellement désolée. Je suis vraiment désolée. Je voulais pas te rater. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Très bien. Tu viens, je te paye un petit déjeuner. Non. Je dois rentrer à la maison. Très bien, alors accorde-moi une seconde. Si tu y tiens. J'ai parlé au docteur Chiel. Tu l'as quitté sans reprendre de rendez-vous? J'ai été un peu occupée. Oui, je comprends. Mais occupée ou pas, je t'ai pris un rendez-vous pour mercredi matin à 10h30. Et j'aimerais que tu y ailles. Promis. Merci infiniment. Où je te ferai payer ça?
S'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Qu'est devenu le gros break rouge qui est arrivé avec cette voiture? Là. Oh, Seigneur. Je voulais inspecter cette voiture. Mais une femme l'a fait. Quelle femme? La femme qui était là tout à l'heure. Elle travaille dans les assurances. Elle m'a dit un truc comme ça. Vous connaissez son nom? Non, j'ai pas vu sa carte. Elle a juste posé des questions. Elle voulait avoir mon avis. Et sur quoi? La façon dont c'était arrivé. Vous savez si c'est le break qui a percuté la Mercedes ou si c'est l'inverse. Qu'en pensez-vous? Ben, je suis pas Madame Soleil. Mais à la façon dont elles étaient embouties, je dirais que c'est la Mercedes qui a explosé le break. Il n'y a pas de doute. Cette caisse était tellement fracassée que j'ai rien pu récupérer dessus. Écoutez, je ne veux pas que vous bougiez cette voiture. Je vais ramener un expert qui va étudier la question. Je vous donne 2 jours, à moins que j'aie un ordre de la police. Vous l'aurez, je peux vous le garantir. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Hé, hey, Speedy, vire la Chevrolet! Charlotte, je veux que vous sachiez que je suis là pour vous. Et que vous pouvez tout me dire. D'accord? Oui, d'accord. Un sucre? Non, merci. Ah. Quand j'étais petite fille, ma grand-mère me fit un jour apprécier le thé très sucré. Je n'ai depuis jamais pu le boire autrement. Je n'étais pas sûre que vous viendriez. Je comprends. Vous savez, j'étais très occupée avec ma famille et mes amis. Et puis, j'ai aussi passé beaucoup de temps à l'hôpital. J'ai cru comprendre que la petite fille allait mieux. En fait, j'aimerais faire plus pour Jean et sa fille. Je me sens tellement inutile. Votre frère m'a dit que vous aidiez beaucoup cette femme et sa petite fille, non? Mais ce n'est rien à côté de sa souffrance. Écoutez-moi, Charlotte. Vous avez vécu une expérience traumatisante. Éprouver des sentiments de culpabilité est une réaction somme toute normale étant donné les circonstances, mais vous devez absolument cesser de vous torturer. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si je n'avais pas été là juste à ce moment, il serait toujours vivant. Saviez-vous que ce petit garçon n'avait que 6 ans quand il est mort? Donc, ce que j'entends là, c'est que cela eût été justifiable si vous aviez disparu dans l'accident. J'ai 2 enfants qui ont besoin de moi. Charlotte, vous ne devez pas vous en vouloir d'être en vie. Vous comprenez? C'était un accident, voilà, on ne pouvait pas l'éviter. Eh bien, justement, on aurait dû... Charlotte, est-ce que ça va? Mon Dieu, je ne peux pas vous parler pour l'instant, Charlotte. Charlotte? Thank you.
Désolée de vous déranger, mais il y a eu un accident au coin de la rue il y a quelque temps et je me demandais si par hasard vous aviez vu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle vient se renseigner sur cet accident. Non, c'est rien du tout là-dessus. S'il vous plaît, monsieur. C'est vraiment important. Bon, très bien. Ça devait arriver un jour. C'est bon, entrez. Merci. Mais je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas l'aider, Duane, mais qu'elle ne m'y autorisait pas. Il y a beaucoup de choses en elle en dehors de l'accident dont elle ne veut pas parler. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'être à son écoute, d'être là pour elle. Merci beaucoup, Leslie. J'apprécie votre aide. Monsieur Ferber, j'ai votre femme sur la 2. Merci. Allô? Enfin, calme-toi, Charlotte. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu fais là? On se retrouve à Manchester Park. Oui, tout de suite, oui. Tu es d'abord passé au commissariat. Ensuite, tu es allé poser des questions dans cette casse. Mais qu'est-ce que tu essaies de prouver? Que j'avais raison. Le type de la casse m'a dit que si l'avant de ma voiture était aussi défoncé, c'est que je devais rouler à tombeau ouvert. Sinon, j'aurais presque rien. Ça peut faire. C'est terminé maintenant. Va dire ça à Jean. Elle a perdu son petit garçon et personne ne sait dans quel état Nancy sera. Elle déteste tellement son mari qu'elle ne veut même pas lui mettre une pierre tombale. Ça ne changera rien pour lui. Oui, mais ça la ronge. Et puis, il y a l'assurance. C'est notre compagnie qui devrait payer. C'est ça qui t'agace? Tu veux qu'on paie les factures de cette femme? Je veux qu'elle ait ce qui lui est dû. Et selon toi, qu'est-ce qu'on lui doit? À force d'aller fourrer ton nez partout, mais on va avoir des ennuis. Je m'en vais, j'ai pas envie de t'écouter. Ah, si tu vas m'écouter, tu vas oublier cette histoire, rentrer à la maison et t'occuper de ta famille. Et laisse tomber, compris? Arrête, lâche-moi! Charlotte. Duane, tout ce que je veux, c'est savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Et si jamais tu découvrais que tu es passé au rouge et que c'est toi la responsable? Arrête. Et si quelqu'un vient fourrer son nez dans cette affaire et qu'il découvre que tu roulais comme une malade, elle peut demander 5 millions de dommages et intérêts. Je ne ferai jamais ça. Non? Non. Ta naïveté te perdra. Des affaires similaires, j'en ai gagné. Et ça paye les voitures, la maison et les études des enfants. Elle s'en fout, tu lui construis un dossier en béton. Écoute, la petite va sortir de soins intensifs. Ils disent qu'elle va se remettre complètement. Remercions le ciel pour ça. Je sais que tu as passé de sales moments. On va prendre quelques affaires et aller à la cabane. Mais bien sûr que si. Wilma va s'occuper des enfants. Ça va te faire du bien. Bien d'être ici seule avec toi. Je pensais depuis quelque temps que tu ne m'aimais plus du tout. Qu'est-ce qui a pu te faire penser ça? Oui, je sais que tu m'aimes. Mais aimer et être amoureux, c'est très différent. Je ne suis pas amoureux de toi. Je suis
suis complètement dingue de toi. Je suis heureuse d'avoir accepté de venir. Dans ma tête, ça commençait à plus tourner très rond. C'est un moment difficile à passer. C'est pas seulement l'accident, tu as. C'est toi, c'est moi. Je commençais à penser. Je ne le supporterais pas si jamais je te perdais. Tu représentes toute ma vie. Je te voulais depuis l'école. Oui, c'était vraiment le bon temps. On n'avait aucun souci. J'en avais. J'avais peur que cette garce de Pauline Griffiths n'ait réussi à mettre la main sur toi. Pas après ce qui s'était passé à l'arrière de la voiture de mon père. Tu te souviens de ça? Un peu, oui. Je suis affamée. Ah, si on veut dîner un jour, je vais mettre les steaks en route. Bois. Dès qu'ils sont prêts. Ça a l'air délicieux. Joanne, je me demandais si quelqu'un m'avait remarqué quand je suis partie. Je croyais qu'on était venu ici pour oublier tout ça. Tu as demandé? Bien sûr, oui, mais personne ne t'a vu. Oui, mais tu ne t'es pas posé de questions? Tu ne t'es pas demandé où j'avais pu passer? Bien sûr, je t'ai cherché. Quand j'ai vu que tu n'étais pas là, je suis sorti. Et j'ai vu que la voiture n'était plus là. Et t'as pas trouvé ça plutôt étrange de ma part, partir sans rien dire à personne? Arrête, tu me coupes l'appétit. Ah, j'ai une idée. Si demain on sortait le bateau pour aller pêcher la truite, qu'est-ce que tu en dis? Parfait. Très bien. Écoute, quelqu'un a dit que tu étais sorti et j'ai pensé que tu voulais te rafraîchir. Alors je suis allé voir, je t'ai pas trouvé et là j'ai vu que la voiture était plus là. Et tu n'as pas trouvé ça bizarre? Non, j'ai pensé que tu te barbais, que tu étais parti. Pourtant, ce n'est pas mon genre de partir comme une voleuse et te laisser tout seul sans voiture. On m'aurait raccompagné. Joanne. Chérie, je voulais pas te faire peur. J'allais couper cette maudite branche qui m'empêche de dormir. Ça va aller? Je vais mieux, merci. Mon ange, c'est terminé. Tu te sens mieux maintenant? Te voilà toute fraîche. Oh mon Dieu, tu es réveillée. Oh mon bébé, réveillé. Voilà.
Viens, ma chérie. Ok, ma poupée, ça y est. Ça va, chérie? Merci, Phil. Regarde, chérie. Tous tes amis, tous les voisins sont venus te souhaiter la bienvenue. Oh, bienvenue chez toi, Nancy. On est heureux de te revoir. Merci à vous tous. Ça nous a fait plaisir de vous voir. Je suis sûre que tu es heureuse de rentrer à la maison de la puce. Regarde tous tes jouets. Si, comme je le crois, la visiteuse de Anderson était bien Charlotte Ferber, à mon avis, elle cherche des renseignements pour son mari. Premièrement, elle pose des questions dans le quartier où l'accident s'est passé. Ensuite, elle se pointe à la casse, plus de doute. Il monte un dossier. Ça m'en a tout l'air. Et ça va faire un sacré choc à Madame Markley. Au fait, qu'est-ce que tu as pu tirer des bouts de verre que j'ai trouvés dans la Mercedes? Ils ont pu arriver là pendant la collision. Non, ça m'étonnerait. Non, j'ai trouvé les mêmes morceaux derrière le siège avant. On en saura un peu plus avec le rapport du labo. Encore une chose, Sydney. Il semblerait qu'on ait vomi dans la voiture. Qu'est-ce que ça prouve? Je n'en sais rien, mais peut-être bien que Charlotte Ferber a dégueulé et perdu le contrôle de la voiture, c'est possible. Tu vas trop loin, Jonah. Et d'ailleurs, qui te dit que c'était elle? Le vieux ne s'est certainement pas trompé quand il a dit que la Mercedes avait perdu le contrôle quand elle a embouti l'autre bagnole. Il a une peur bleue qu'on lui demande de témoigner. J'ai eu réellement du mal à le faire parler. Ça changera pas grand-chose, à mon avis. Conduite en état d'ivresse, c'est le pire. Tu sais, si ces morceaux de verre que j'ai trouvés dans la Mercedes correspondent au goulot de la bouteille que le flic a trouvé sur la scène de l'accident, on pourrait bien avoir maintenant deux conducteurs en état d'ivresse. Oh, vous êtes adorable. Merci. Je suis désolée d'avoir manqué votre retour à la maison. Oh, ça ne fait rien. Entrez. Faites pas attention au ménage. Nous étions absents pour le week-end. On est rentrés ce matin. Je suis heureuse que Nancy soit à la maison. Oui, c'est merveilleux. Je suis désolée, je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Je n'ai pas eu le temps d'aller au supermarché. C'est parfait. Les voisins ont été tous adorables. Ils ont proposé de venir tenir compagnie à Nancy. C'est encore un petit peu tôt. Je suis un peu mal à l'aise. Si vous me faites une liste, je peux aller faire vos courses. Oh, c'est très gentil, merci. Mais Fern Anderson m'a appelée ce matin. Elle va au marché et elle me rapportera quelques trucs. Au fait, j'ai appelé l'association des mères contre les chauffeurs en état d'ivresse. Et un de leurs avocats qui s'occupe des victimes va venir me voir. Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, d'accord? Oui, merci. Je suis ravie que Nancy aille si bien. Troy dit que ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Oh oui. Elle ira de mieux en mieux puisqu'elle est à la maison. Elle reste éveillée pendant des périodes de plus en plus longues. Et elle commence à... Oh, désolée. On dirait qu'elle essaie de me dire, de me parler. Oh, écoutez, Jean, regardez, j'aimerais... C'est mon petit Howard. Il est magnifique. Oui. Mais c'est un véritable petit démon. Je lui disais toujours que j'aimerais qu'il reste assis juste une minute. Mon petit bonhomme. J'adorais l'entendre frapper la cuillère à mesure sur la table de la cuisine et courir dans toute la maison. Il inventait toujours quelque chose de nouveau. Nancy ne voulait pas l'emmener ce soir-là. Elle prétendait qu'il embêterait tous ses amis. C'est moi qui les ai obligés à l'emmener. Je voulais avoir une soirée pour moi toute seule. Charlotte, pourquoi? Ne vous gênez pas, pleurez, ça soulage. J'y arrive pas. Pour me soulager, je fais des trucs stupides et inutiles. L'autre soir, j'étais debout jusqu'à minuit. Et j'ai déchiré pratiquement toutes les photos de ces salopards. J'étais comme folle. J'ai fouillé tous les albums. Ça n'a rien changé, mais ça m'a fait du bien. Bonjour. Je pourrais bavarder avec vous, Madame Markley. Monsieur Otterman, rien n'a changé depuis notre dernière conversation. Je suis navré, il y a du nouveau. Nous avons plusieurs bonnes raisons de penser que votre mari n'est peut-être pas responsable de cet accident. Mon époux était sourd.
Votre chère compagnie n'apprécie sans doute pas, mais il était sous. Bien sûr, oui, mais des éléments nouveaux font penser que le conducteur de l'autre voiture était peut-être sous également. Charlotte Ferber, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ou peut-être que si, pour que votre compagnie évite d'avoir à payer. Je ne vais pas rester là, vous écouter débiter des âneries sur une personne aussi merveilleuse. Les gens bien boivent également, Madame Markley. Si l'avenir de votre enfant vous intéresse, écoutez-moi. On a d'abord pensé que les fragments provenant d'une bouteille trouvée ce soir-là venaient du véhicule de votre mari. Mais les tests de laboratoire ont prouvé que les morceaux de verre que j'ai trouvés dans la voiture de Madame Ferber provenaient de la même bouteille. Et alors, ça ne prouve rien du tout? Non, en soi, c'est exact. Mais ça nous donne la possibilité d'aller plus loin dans nos investigations. Oh, ne comptez pas sur moi pour vous aider, compris? Charlotte Ferber s'est montrée une merveilleuse amie tout au long de cette épreuve. Excusez-moi. Madame Markley, si vous m'écoutiez, votre avenir et celui de votre fille pourraient être très différents. Elle va avoir besoin de soins et ça risque de vous coûter très cher. Elle va peut-être en avoir pour toute sa vie. Allez-vous-en, monsieur Otterman. Laissez-moi tranquille. Oui, d'accord. Salut. Mets 4 œufs à bouillir, s'il te plaît. Je suis passée à l'épicerie et j'ai pris de la salade. Des pains hamburgers. Il fait beau, j'ai pensé qu'on pourrait faire un barbecue. C'était papa au téléphone, il a dit qu'il rentre pas. Il a dit quand il rentrerait? Non, il a dit qu'il a beaucoup de boulot et de pas l'attendre pour dîner. Il mangera un sandwich plus tard. Bon, je vais me changer. Range les provisions, s'il te plaît. Ce n'est que moi. Hazel. Eh oui. Il va encore travailler une bonne partie de la nuit. Alors je me suis dit que ce serait sympathique qu'on se regarde un film tous les quatre. Qu'en dites-vous? Oh, tante Hazel, tu arrives juste à temps. Brad a besoin d'un prof de maths. Allons bon. Ok chérie, où est le problème? Vous êtes bien chez Harwell Ferber et compagnie. Laissez-nous votre nom, votre numéro de téléphone. Je vais sortir. J'en ai pour quelques minutes. Tu vas quand même pas chez les Markley à cette heure-là? Non, je ne vais pas rendre visite aux Markley à cette heure-là. J'ai oublié un paquet à l'épicerie. On n'est pas pour longtemps. Qu'est-ce que vous prenez? Un soda, s'il vous plaît. Soda et... Soda. C'est parti. J'aimerais un renseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'air mieux que l'autre fois et de loin. Ma petite dame, l'autre soir, vous teniez à peine debout. Je me demande comment vous avez eu la présence d'esprit de ne pas vouloir conduire. Et heureusement, Erdi n'est pas là. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais en tout cas, il vous en veut vachement. Excusez-moi. Don't take me to the pony races. Don't take me to familiar places. Don't take me.
Comment va, Ernie? Salut, Flo. Oh, Seigneur. Ça va pas, chérie? T'as l'air assez beurré. Excusez-moi. Excusez-moi, Varman. Vous pourriez m'appeler un taxi? Je crois que je suis ivre. Non, laisse tomber, Harry. Je m'occupe de la dame pour la ramener à la maison. Laisse tranquille, tu veux, Ernie? Et fous-moi la paix, Flo. Tu vois pas que la petite dame a besoin d'aide, hein? Tu vois pas? Je suis pas un sauvage, moi. Donne-moi tes clés, chérie. Voilà. Parfait. Tiens ça dans cette main. Je vais te sortir de là, ok? Vas-y doucement. Ok. Oh. Voilà, ça va aller. On y est presque. Je t'attendrai pas, Ernie. Oui. Pas être long, tu vas voir. Surtout, bouge pas, ok? Était dans tous ses états. Il m'a dit qu'il aurait dû vous mettre de force dans un taxi. J'aurais préféré. Pardon? Aucune importance.
heureux. Oh, oh. Oh. Oh non, Jane. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as pensé à la famille? Les enfants, tu y as songé? Oui. Oui, j'y ai songé. Et j'ai pensé aussi à la famille de Jean. Que tu assumes ou non la responsabilité, quelle différence ça peut faire? Une immense différence pour Jean. Elle est son mari, sans raison. C'était un accident, c'est tout. C'est ça, ta façon de voir, quand tu es face à un pauvre abruti et que tu essaies de lui faire cracher jusqu'à son dernier sou? Charlotte, quand je me charge d'une affaire, j'agis dans l'intérêt de mon client. Si jamais Jean découvrait que son mari n'était pas le seul à avoir bu ce soir-là, elle engagerait le plus gros juriste du pays et on risquerait de tout perdre. C'est donc ça le fond de la question pour toi. Que les Ferber risquent de tout perdre. Quelle différence ça peut faire? Ce type est mort. Va-t'en. Dehors. Dehors. Oui. Votre frère est là. Je le fais monter? Non. Dites-lui que je descends. Hey. Vous voulez rien? Un jus de fruits? Quelque chose à manger? Non, non, merci, Vilma. Ça ira. Il n'a pas l'air d'être porteur de bonnes nouvelles. Ça se voit tant que ça. Et Charlotte, je ne sais pas comment, par où commencer. Marsha et Lloyd. Leur mariage bat de l'aile depuis longtemps. Et maintenant, ils vont se séparer. Marsha est amoureuse d'un autre homme. C'est Duane qui t'a demandé de me le dire? Duane? Non. Non, j'ai seulement décidé que ça n'avait que trop duré. Ça me brise le cœur de devoir encore tout foutre en l'air. Ça fait longtemps que je voulais te le dire, longtemps que j'y pense. Même Marsha a souvent essayé de t'en parler. Mais d'un autre côté, Duane cherchait le moyen d'arranger les choses au mieux pour Hazel et les enfants. Moi, je sais pertinemment l'affection que tu as pour elle. Mais c'est injuste, mais l'étincelle n'y est plus. Du moins, l'étincelle n'y est plus de mon côté. Toi et Marsha? Oui. Charlotte. Charlotte. Je croyais que c'était Duane et Marsha. Duane? Non. Durant cette maudite soirée, j'ai pas arrêté de les voir ensemble, tous les deux. Et pas seulement la soirée, mais en ville aussi. Oui, bien sûr, il lui a trouvé un avocat. Oh, je suis vraiment désolé. Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé? Je suis sa femme. Je pense qu'il voulait te protéger, c'est tout. Me protéger, moi? Mais bien sûr. Troy, j'ai tué un petit garçon et son père. Non, une seconde, qu'est-ce que tu racontes? J'étais ivre. C'est Markley qui était sous. Il
faut que j'aille à la police. La police? Réfléchis une minute. Si ce que tu racontes est prouvé, tu réalises qu'on va t'inculper pour homicide, tu risques la prison. Vous voyez, c'est là. Mmh. 4 octobre, taux d'alcoolémie 1,7 g. Le double de la limite légale. Mmh. Avez-vous procédé à une prise de sang sur l'autre conducteur? Non, uniquement sur la femme, comme on m'avait dit. La femme? Remontrez-moi ce dossier. L'étiquette est pourtant bien au nom de Ward Markley. Mais oui, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Hé, hey, Charlie, tu as encore mélangé les étiquettes, on dirait. De quoi tu me parles, Phil? J'ai fait les étiquettes pour la gamine, la femme et le type qui est mort. La petite étant déjà en chirurgie, j'ai donné les siennes à l'infirmière. Les autres étiquettes sont restées ici aux urgences. Je me rappelle très bien avoir fait le prélèvement sur cette femme. Et je ne comprends pas pourquoi l'analyse est à l'autre nom. Vous êtes sûr que cette analyse est celle du sang de Charlotte Ferber? Si c'était le nom de la femme de l'accident, oui, je suis catégorique. Oh, Phil, t'étais pas supposé analyser son sang. T'étais supposé prendre le sang du type qui conduisait le break. Hé, hey, je vais aux urgences et je vois une femme. Comment est-ce que je pourrais le savoir? C'est pas de ma faute. Tu t'es planté une fois de plus. Soyons positifs. Vous êtes absolument catégorique. Ces résultats ont été obtenus en analysant le sang prélevé sur Charlotte Ferber. Et non sur Howard Markley, comme l'indiquait le rapport. Oui, absolument catégorique. On vous demandera de faire une déposition dans ce sens. Je pourrais perdre mon job sur ce coup-là. Je suis revenu pour m'excuser. Tu as perdu tes moyens cette nuit-là, mais j'ai eu tort de te demander de bafouer ton intégrité. J'aurais dû savoir que tu n'accepterais jamais. Je t'aime, Duane. Seconde. Qu'est-ce que tu fabriques? Je file avec mon gâteau au chocolat. Vilma n'aime pas que j'en mange au petit déjeuner. Ça ne m'enchante guère non plus. De toute façon, Vilma a pris sa journée. Génial. Brad. Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé te dire que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Bien si. Un gros câlin. Fais pas de bêtises. Assois. Assois. J'ai encore fait quelque chose? Non, j'ai... C'est juste que... Il faut que je te parle de quelque chose d'important. C'est très difficile pour vous. C'est une décision difficile et rien ne t'y oblige. Mais être honnête avec soi-même, c'est ce qui compte le plus au monde.
C'est ce que tu m'as toujours dit. C'est vrai que je disais ça. Merci de me l'avoir rappelé. Bonjour. Qu'y a-t-il encore, monsieur Terman? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais moi non plus, vous savez. Madame Markley, accordez-moi un petit moment. S'il vous plaît, vous ne le regretterez pas. Très bien. J'espère que vous écouterez ce message, Jean. C'est Charlotte. Je voulais vous expliquer tout ça en personne. J'ai essayé. Je suis passée ce matin chez vous, mais vous étiez absente. Espèce de foule ! Vous m'avez menti ! J'aurais pu vous prier qu'on est amis ! Vous avez essayé, mais Howard ! C'est vous qui étiez foule ! Vous ! Vous ! Vous vous en foutez ! Vous avez tout ce qu'on peut rêver ! Vous vous en foutez ! Mais attendez un peu que j'en ai fini avec vous ! Vous avez tué mon petit garçon ! Vous ! Vous l'avez tué ! J'espère que vous écouterez ce message, Jean. C'est Charlotte. Je voulais vous expliquer tout ça en personne. J'ai essayé. Je suis passée ce matin chez vous, mais vous étiez absente. Je suis allée trouver la police. Et je suis convoquée mardi pour la mise en accusation. Je ne veux pas que vous imputiez la responsabilité de cet accident à votre mari. C'était ma faute, Jean. J'ai peur, John. Ça se passera bien. Je suis très fier de toi. Je reviens tout de suite. D'accord. Somewhere there's a way. Somewhere there's a way.
get the past to